donc qui commence avec les quarts de finale. On aura donc 4 combats de 3 reprises de 2 minutes chacune, avec 4e et 5e reprise en cas d'égalité. C'est parti. Tout de suite, on peut voir que Arsène Skhatatrian donne la mesure du combat. Il impose véritablement son rythme, avec un très beau balayage en prime. Nous vous rappelons qu'en full contact, donc les coups de poing sont autorisés, ainsi que les coups de pied au-dessus de la ceinture et les balayages, c'est-à-dire que les coups doivent être donnés en dessous du mollet. Au-dessus du mollet, c'est considéré comme ce qu'on appelle un low kick en boxe thaï ou en kickboxing. Et ça, c'est interdit. Qui nous donne l'occasion d'avoir des combats assez spectaculaires, puisque les techniques de jambes sont vraiment très enlevées, très aériennes. On peut remarquer d'entrée que Arsène impose le rythme et qui déstabilise son adversaire par de petits balayages assez désagréables, je dois dire. Énormément à courte distance, et à courte distance effectivement c'est avec les balayages qu'il déstabilise l'adversaire pour pouvoir ensuite enchaîner au visage. Le boxeur français Jean-François Wyss a déjà été percuté à plusieurs reprises, et là on peut voir qu'il commence à prendre une petite série des deux points. Il n'y a pas un débutant en face de lui, puisque Arsène Skhatatrian est là à son 72e combat. Il a été champion de Russie, champion d'Arménie, champion du monde. Voilà, Wyss qui se plaint de quelques coups irréguliers de l'Arménien. Arménien basé à Toulon. Mais il faut dire que pour cette première reprise, on peut la donner justement à Skhatatrian sans problème. Sans conteste aucun. Il impose son rythme, il impose sa boxe. Travaille beaucoup plus en puissance. Ah, beau crochet gauche de Wyss. Boxeur très sobre. Oh là là, ça c'est le punch. Et la précision. Petite droite gauche, pleine face. Rien à dire, de toute beauté. Dès le début de la deuxième reprise, Jean-François Wyss s'est déjà compté. Mais il n'a pas l'air d'avoir récupéré. Absolument pas. Non, l'arbitre fait bien de l'arrêter puisque... Parce qu'il vaut mieux arrêter plutôt que plus tard. Vaut mieux, puis en plus c'est un tournoi, vaut mieux. Là vraiment, hein. Petite droite-gauche, plein de face, pointe du menton, il n'y a rien à dire. Vraiment.